Bonjour à tous et bienvenue pour la suite, la deuxième partie de The Little Nightmare 2. Donc j'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez passé une bonne journée. Pour les nouveaux qui êtes arrivés sur la chaîne, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, c'est important. Pour tout le monde, avant de commencer, prenez-vous à boire, à manger, installez-vous bien, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous allons continuer cette aventure de Little Nightmare 2. Donc on avait vu qu'on pouvait se saisir d'armes, des armes qui sont les bâtons, et qu'on peut taper, vous avez vu, voilà. Donc oh putain, d'accord, ça commence bien, ça commence fort. Oh merde, qu'on va faire, ouais, il faut vraiment, faut vraiment se faire sans passage, hein, vous avez vu, voilà. Là je pense qu'on va faire pareil, on va balancer les pommes de pin. Ouais, regardez moi ça, regarde. Regardez, il doit y en avoir d'autres là, à mon avis. Ouais, voilà. Vous voyez, ça, c'est le piège à imbécile. Et si on fait pas gaffe. On va le prendre. Alors, regardez. Regardez-moi ça. On peut passer dedans, non? Non. Ok. Va pas tomber. Waouh. C'est excellent les amis. Donc, on prend de l'élan. Vaut mieux. Donc je trouve vraiment, comparé au 1, il est très très bien fait. Il est aussi bien fait que le 1 d'ailleurs. Je ne sais pas si vous y avez joué. Si vous n'y avez pas joué, je vous invite à faire le Little Nightmare 1. Je vais y arriver. Il est extraordinaire et bien, bien flippant aussi. Vous pouvez me faire confiance. Et bien compliqué. Hein. Là, je flippe un peu, vous voyez. Toujours pareil. Y a rien. Cette ambiance n'est pas vraiment rassurante. Hein. Et la musique, rien à voir avec Visage. Hein. Vous avez visionné les vidéos Visage auparavant, rien à voir avec. Mais il y a la petite touche angoissante, je dirais. Allez. Je sais pas si on devrait rentrer dans la baraque, si. Si. On va essayer. On a une save. On a une save. Là, à mon avis, c'est chaud. Donc,
Oh putain, faut pas faire tomber les bouteilles. Ça me dit rien qu'il vaille. Ah non, on peut pas la renverser, mince. On fout un peu le bordel, hein, les poteaux. Voilà. On fout un peu le bordel, on n'est pas chez nous de toute façon, donc nous le frigo, tranquille. Qu'y a-t-il dans le frigo? Rien. Bon. D'accord. Nous avons plusieurs pièces. Ok. Nous avons plusieurs pièces. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Non. Ça ne dit rien qui vaille. Ça ne dit rien qui vaille. Ah. Là, on peut pas s'accrocher. Ok. Pas s'accrocher non plus. Donc non, ici nous avons rien. Oh, équipez les chapeaux que vous avez récupérés dans le menu pause. Ah, dans le menu pause. Oh. Ah bien, on va équiper celui-là, tiens. Ah ouais, il est de toute beauté là, il est vraiment de toute beauté. J'ai récupéré un chapeau. Il y en a plein d'autres en haut, des chapeaux, vous avez vu. On peut pas les faire tomber à votre avis? Non, je peux pas balancer ça là-haut. Non ben non, il a pas assez de force, voyons donc. Bon. Allez, on se casse de là. Qu'y a-t-il là derrière? Il y a rien. Faut passer sur le côté. Oh! La musique, il m'a toujours bien fait peur, vous voyez. Putain. D'accord. On fait un peu de bruit. Pas passer. Que faut-il faire? Non. Oh putain, c'est excellent. Ah, j'ai pas réussi à récupérer la hache, quoi. Je suis deg. On peut pas péter, là?
Non mais je veux rentrer là. Je peux pas, bon. Attendez. Par ici, ce côté-là, on peut pas. Non. Nous sommes obligés d'aller d'abord dans l'autre pièce, à mon avis. Dans l'autre pièce. Je parle bien français, Nightwitch. Hein. Oh! Ouais, ben voilà. Allez. Allez, pousse sur les petits bras là, pousse. Non, il y a rien. OK. Bon, écoutez, on va prendre la petite hache qui est bien lourde pour elle. Pour lui, c'est plus trop. Donc. Oh, c'est excellent. Ah, vas-y, pète tout, voilà. On peut pas le trucider, non? Oh. Oh, comme c'est beau, regardez. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Oh. La peur l'a fait partir. Y a rien d'autre à récupérer là, non? De toute façon, il n'y a rien à récupérer là-haut, donc... Ok. Je peux pas en jouer de... Non. Non, bon, c'est pas grave. Là, c'est le nombre de jours qu'il est resté enfermé, vous avez vu. Ah! Je l'ai vu monter à l'étage. Ah ah. Oh. Oh putain. Non mais c'est bon. Oh, la tête quoi. Préfère prendre. Ah, je peux pas le monter, ok. Oh là, belle chute. Attends, je vais t'aider. Ah ben, ils sont petit mignons tous les deux. Come run. Hi. What? Hey.
mais là. Y'a rien à faire là? Non. On n'a pas de clé. On fait un peu le tour quand même. Non, y'a rien. Ouais, j'aurais voulu un autre chapeau à nouveau. On trouve un autre chapeau de clown. Allez, allons voir gaiement ce qui se passe là-haut. Une save, ça c'est bien. Donc surtout, n'hésitez pas les amis à partager la vidéo. Voilà, en parler autour de vous, c'est bien pour le référencement. À mettre des commentaires, des likes si ça vous plaît, bien sûr. Y a pas un truc là-haut? Non, on peut pas y aller. Ok, c'est pas grave. Ah ouais, attends. Ouais, viens m'aider. Voilà, deux, on est plus fort. C'est bien mon petit bonhomme. Ouah, la clé elle est là-haut quoi. Là il y a de l'énigme, je vous le dis. Sinon je m'y connais pas, hein. S'il n'y a pas une énigme là. On peut pas ouvrir là? Et si. Non. Là, je suis bien trop petit pour passer de l'autre côté. Où faut-il aller? La clé est là-bas, bien sûr. Ça. C'est une certitude. Il me manque un outil. Où est cet outil? Je vous le demande. Ok. Ah ben voilà. Mais c'était bien sûr. Ok. Ok. Oh. Oh, Mazette. Mais t'es en vie, toi, ou t'es pas en vie?
Oh mon dieu! Oh putain, c'est gore! Oh, oh les poteaux! Voilà. Allez. Oh putain. Je me suis rétamé comme une merde, quoi. Ah, c'est moi qui dois tourner? Non, c'est toi, c'est bon. Ok, super. Non! Ah, si, c'est bon. Si, si, on est bien, les amis, on est bien. Allez, on récupère la clé. Super, on a une save. On va vite regarder, par contre, si on n'a rien à récupérer là-bas. Tu veux pas venir m'aider? Ouais. Oh, je lui donne la main, regardez. Oh, regardez ça, je lui donne la main, c'est excellent. Oh, regardez, je me mets dans la lumière, regarde bébé. Je lui donne la main. C'est de toute beauté. Oh là là, j'en ai. Par contre, t'es pas galant pour la faire monter, mais bon. Elle est toujours pareil. Ah, la galanterie se perd, hein, je vous jure. Redonne-moi la main. Prendre un enfant par la main. Allez, on va redescendre. Et l'emmener vers demain. Oh merde. Putain. Oh, tu fais de ces sauts, quoi. Tu peux pas descendre comme ton petit camarade, là? Hein? Voyons donc. Alors. Donc. Attendez. La fenêtre. On n'est pas allé voir la fenêtre. Non, on peut pas. Allez, donne-moi la main. Allez, viens. Oh, il attire. Franchement, c'est impressionnant. Non. Comment je fais pour prendre la clé là? Ah voilà. Ok. J'avais oublié. Oh. Des grosses traces de pas. Ça ne dit rien qui vaille. Ah voilà un rouleau de PQ. Je savais pas quoi faire aujourd'hui, je me suis dit si j'allais aux chiottes. Pour être sympa. Hop, un rouleau de papier vide. On fout un peu le bordel, hein. C'est un peu voulu. Non, non, je te donne pas la main encore, s'il te plaît. Donc en fait, on ouvre, c'est juste pour récupérer deux rouleaux de PQ, en fait. Ok. Non. Ok, y a rien, hein.
Des pièges. Des pièges. Le piège, il faut le fermer. Attendez, je pense avoir compris pourquoi il y avait un rouleau de PQ. Alors lui, j'en veux pas. On va le lancer sur le piège. Vous en pensez quoi? Ça va peut-être fermer le piège. Attendez, on va faire méthodiquement. On va d'abord l'envoyer là. Voilà. Non, ça c'est pas ça. Oh mais attendez. Alors on va la pousser la caisse. Voilà, tranquille. Il y a un drôle de bruit. Nous ne sommes pas seuls. Je veux pas y aller. Restons sur les pots en fourrure de pierre. En fourrure pleine de poils. Je ne veux pas. Je peux récupérer une fourrure là? Donne-moi la main. Comme ça, si je me fais attraper, tu te fais attraper aussi. On va s'accroupir tous les deux. Ouais. Attends, on repart. On y va à 3. 1. 1. 3. Mais non, t'as pas dit 2. Allez. 1. 2. 3. On y va. Tu me lâches pas la main, hein. Bon, ça, s'il me fait pécho, on te pécho aussi. Bah, il est gentil, monsieur. Regarde ça un peu. Oh, merde. Redonne-moi la main. Redonne-moi la main. Non. Oh my god. Oh my god. Non. Oh putain. Waouh. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Sa mère l'hippopète. Eh bien les poteaux, on a une sève. C'est des petites vidéos, je vous l'ai dit, donc la suite au prochain épisode. Eh oui, les amis. C'est des petites vidéos, bien tranquilles. On va se reprendre un coup de crosse, regardez, regardez, je vais le chercher. Et je le narre. Eh bien. Merde. Excellent. Bon, les amis. Eh bien écoutez, vous voulez le voir mourir une troisième fois? Non, quand même pas. Donc les potos, en tout cas, merci à tous pour ce petit visionnage bien sympathique. Je vous remercie, on se dit bye bye, à bientôt pour les nouveaux, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, prenez soin de votre famille, j'ai dit dans le désordre. C'est comme le tiers, c'est gagnant, c'est pareil. Allez, portez-vous bien, on se dit ciao, bye.